Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo gravel aujourd'hui avec Damien. On voit là-bas qui monte, qui essaye de monter. On part pour un 80 bornes, un temps très très frais, par un beau soleil, ciel bleu, ça va être cool, on va bien profiter. On va faire une bonne sortie, une belle petite vidéo. Ça marche bien le gravel sur la chaîne, donc ça fait plaisir. La dernière vidéo gravel est à plus de 900 vues, donc c'est cool. Bon bah ça y est, j'arrête là, je suis fatigué. Magnifique. Quelle puissance. Allez, pendant qu'on est là, je vais vous montrer la particularité de son Fuji par rapport au ruban arrière. Si on regarde bien, les deux barres sont pas alignées. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. C'est rigolo. Pourquoi on sait pas Il y a une raison, hein. Sans doute. Mais on s'en fout pourquoi. C'est pas grave. Allez, on y va. On est parti. Ah, ça va ce temps, un bon froid sec comme ça là. C'est pas mieux. On va en profiter, premier jour de l'hiver. C'est quand même pas mal. Ça ne durera certainement pas. 3 km 3, une crevaison. Ça part fort. Hein. Bon, on va essayer de regonfler l'animal. Voir ce que ça donne. Je suis pas super optimiste sur le sujet. On verra. Ça va donner. On roule un peu, on fera le bilan plus loin. C'est joli par là, c'est encore un peu blanc. C'est gelé, sympa. Ah, il fait frais, c'est agréable. Impression de respirer de l'air pur, j'adore. Là, on est bien. Ah, qu'on est bien. C'est clair. C'est clair, les amis. C'est con, c'est court. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Petit passage obligé dans la plaine, hein, avec un léger vent en face, bien frais. Mais en plein soleil, c'est le top. On profite à fond. Ah, ça a bien séché quand même, là, c'est agréable. Il y a un endroit un peu plus loin. Ça fait deux fois de suite que je parviens pas à le passer. C'est une toute petite butte, mais avant, c'est archi gadouilleux. J'arrivais pas à prendre de vitesse, du coup, je suis allé dans la bosse. À voir comment ça va être aujourd'hui. Oh, le con. Je voulais pas aller là. Et passe avec les crampons. Damien est un peu mieux chaussé que moi. Il y a des WTB qui ont des bons petits crampons. Moi, avec les Touaregs, je t'invite à la limite. Yes! Je suis passé. Ah, ça fait plaisir, une petite victoire. C'est vraiment rien, la bosse en elle-même, elle est ridicule. Mais la prise d'élan avant, c'est très compliqué pour moi. Mais là, ça passe. Charmant par là. Allez, on continue. J'allais dire, ça a peut-être séché de la dernière fois ici, mais non, pas encore. Mais ça passe. Je ne veux juste pas trop perdre de vitesse. Et voilà. Ah, je me suis fait baiser la dernière fois déjà ici. Allez, je vais plus durer. Crevaison. Putain. De l'autre côté, incroyable. Bon, au bout de 18 km, deuxième crevaison. Bon, le soleil est toujours là, heureusement, parce que là, on a perdu beaucoup de temps, c'est un peu galère. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, c'est le petit chemin plaisir, le petit chemin bonbon sucré. Il est sympa comme tous ici. Ça devient aussi un habitué celui-là. On l'emprunte souvent quand on va aller par du côté de Cabourg. Le délicieux petit chemin de l'anguille et ses ragondins, et hop là, pouf, allô. Allez, on approche du 35e kilomètre. On a décidé de couper un peu le parcours parce qu'on a pris pas mal de retard. Tu vois, faut avancer quand même. En retour dans les marais. Ah, qu'est-ce que c'est sympa. Ah, j'ai regonflé un peu mon pneu avant là, du coup. Ça roule 10 fois mieux. Très mal. Et, là. Et bim, la mer. Oh, c'est beau. Bon, voilà, un parcours adapté, mais on a ça, quoi. Et on l'aurait pas eu si on avait suivi le parcours.
Allez, deuxième bim. Je sais pas ce qu'il dit. Je pense qu'il est content. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le sentier par excellence, au bord de la mer. Un petit gravillon, un peu de sable. Ça roule tout seul, c'est un pur bonheur. Il n'y a pas trop de monde à cette époque-là. L'été, c'est un peu plus compliqué. Bon, le soleil décline gentiment. On a l'éclairage, on a tout ce qu'il faut, donc on peut rouler. Mais bon. C'est la température qui risque de bien baisser. Alors voilà ce qui nous attend sur le retour. Que ça. C'est bon ça. Très très bon. Allez, on vient de passer les 60 bornes. Retour le long de l'Orne. Là ça rime. Là ça est en pleine tronche. Super agréable. Du coup on voit rien mais on va tout avoir. On appuie un peu sur les pédales là. C'est du bien. Petit retour habituel par le bois du Biez. Pour finir cette sortie, c'est pas trop mal. Tu veux rire? Troisième crevaison. Je suis à la maison, quelques centaines de mètres, donc c'est pas très grave, mais c'est incroyable quand même. 71 km la sortie. Trois crevaisons. C'est une première fois que ça m'arrive. Moi qui vantais les Hutchinson Touareg. Bon, bref. On va aller voir, mais bon, a priori ça a colmaté quand même. C'est la vie, il est plus grave. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Faites du vélo, ne crevez pas. Restez en tubeless. Allez, ciao.